Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tome de l'épopée cosmique de Dan Abnett et Andy Lanning, Annihilator. Alors, précédemment, on a vu Thanos Imperative, qui était pour moi, et ça reste aussi pour moi, une très belle fin de cette épopée cosmique, surtout l'avant-dernier chapitre qui était assez abrupt, hein, assez rapide, et sur le dernier chapitre de Thanos Imperative qui nous amenait directement sur Annihilator. Annihilator qui prend du coup suite et fin pour cette épopée. Je vais en parler assez rapidement, assez brièvement, parce que à l'époque, quand je l'avais lu, parce que tout ce que je vous ai fait sur l'épopée d'Andy Lanning, c'est des relectures. Ce que j'avais lu sur Annihilator, j'avais apprécié, mais sans plus. Et là, je me rends compte que on peut apprécier la lecture, mais c'est toujours un surenchère, toujours les mêmes choses. On nous rabâche encore un énième ennemi qui va essayer de je sais pas, de conquérir encore des nouvelles terres. C'est toujours les mêmes choses. J'ai trouvé un sort de rabâchement en fait. Alors je sais pas ce qui a été fait en amont, ce qui a été dit à l'époque dans les bureaux de Marvel. Est-ce que c'est le récit de trop ou est-ce qu'ils ont voulu remettre une équipe en avant suite du coup, bah, je vais le dire, suite au déchirement des Gardiens de la Galaxie avec ces annihilators là. Je ne sais pas. L'équipe donne envie, bien sûr. On a Kassar, on a bien sûr Gladiator, on a Ronan l'accusateur, on a Beta Ray Bill, et on va avoir aussi Icon, je l'appelle Icon ou Icon, moi je vais dire Icon, qui arrive, parce qu'elle est arrivée tout de suite à la fin du dernier chapitre. Et là, c'est tout de suite l'après, donc il se passe à peu près une semaine, je crois. Donc oui, je vais essayer de parler du coup de l'histoire. Ça se peine tout de suite à une semaine après, il y a l'équipe qui est formée, et on va avoir Icon. Du coup, qui arrive hein, suite au dernier chapitre de Thanos Imperative, et qui est en fait un chevalier en fait de l'espèce de Galador. Voilà, elle arrive de Galador, c'est une Galadorienne, voilà tout simplement, qui va tester chacun des membres de l'équipe et qui va du coup les ramener après sur sa planète parce qu'il va y avoir un de leurs ennemis jurés, donc qui est Dredd, si je me trompe pas, qui est ennemi juré des Galadoriens. Et il va y avoir un conflit entre du coup tous les Galadoriens, Icon, du coup l'équipe des Annihilators face à Dredd. On va avoir aussi un moment où on va avoir une reine d'un monde un petit peu perdu, qui sont semblés perdus, et son peuple, donc le peuple des Spectres, voilà, qui vont arriver aussi au combat. Et cette reine des Spectres va essayer de tout faire pour remettre à la hauteur bah, du coup son peuple. Mais le peuple des Specs va en fait va se retourner contre sa reine parce que pour eux c'est à cause d'elle qu'ils ont été diminués. Voilà, ils ont une forme assez dégueulasse, on va dire. C'est assez dégueulasse, voilà, on va le dire. Et il va y avoir aussi un moment Immortus qui va arriver avec son armée. En fait, voilà, c'est un surenchaînement. Puis après, on va voir aussi que les Skrulls ils vont avoir une part dans ce conflit. Donc, encore les Skrulls qui sont là en arrière, en marionnettisme, on va dire, entre guillemets. Voilà, si vous enchaînez tout, j'ai l'impression que l'Annihilator, en fait, vous avez la surplus de. Voilà, il y a une remontée en mode encore des. Encore, c'est dingue. Voilà, on a un peu de nouveau, parce que moi, les Galadoriens, bah, je ne les connaissais pas. Les persos, entre guillemets, je les connaissais tous. Les persos d'Annihilator, mais sinon toujours et toujours et toujours. Donc, Immortus qui arrive avec une armée, c'est énorme quoi. C'est quasiment une personne de son armée, c'est un soldat d'une armée différente dans toute la galaxie, donc c'est quand même quelque chose d'assez mouse. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez du surplus, mais qui fait pas mouche. Voilà. Et après le bouquin est, on va dire, scellé en deux histoires, avec aussi la suite, c'est une deuxième partie, on va dire. Avec Groot et Rocket surtout, le après Gardien de la Galaxie. Donc voilà. Et après la deuxième partie qui est vraiment spécifique au Annihilator, ça va être bah, du coup avec l'Uglis Universelle, encore elle. Voilà. On l'a eu, c'était. On va dire un petit peu que c'est le méchant du. C'est un méchant fil rouge de tout leur run. On a l'Uglis Universelle en fait.
Ils vont affronter les Avengers parce qu'ils vont arriver aussi et ils vont découvrir qu'il y a un cocon qui a éclos dans le vaisseau de l'église et qu'ils vont en fait ils vont voir que y a plusieurs enfants qui ressemblent beaucoup à Magnus en fait, voilà, celui-là qui avait fait tout capoter dans les trois tomes, bon, surtout dans les deux derniers tomes des Gardiens de la Galaxie, voilà, qui était spécifique un petit peu on va dire à partir de Empire de ouais, c'est ça, War of King, c'est ça. Que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Puis du coup, comme je vous ai dit juste avant, il y avait c'est coupé en deux, Annihilator, et puis la suite de Rocket et Rocket surtout. Un peu plus sur Rocket, on va avoir Groot aussi, mais plus sur Rocket. Voilà, un petit peu décalé, que moi personnellement j'ai pas trop aimé. Le style graphique, j'aime pas trop. Bon, le style graphique, ça suit un peu cette narration. Mais c'est pas ce que j'ai. Voilà, j'aurais pas vu ça là-dedans. Ah, c'est bien qu'il s'est mis, hein. C'est bien que ce soit mis, parce que sinon ça aurait été un deluxe un peu plus petit. Mais voilà, Annihilator, sincèrement, si vous voulez vraiment vous focus sur le run, c'est pas un immanquable. Sincèrement, non. Si vous voulez tout avoir, oui, voilà, prenez-le. Mais sincèrement, pour le run, vous pouvez très très bien vous arrêter sur l'avant-dernier chapitre de Thanos Imperative, donc vous pouvez vous arrêter sur Thanos Imperative et skipper le dernier chapitre où vous avez en fait la mise en place de Annihilator. Pour moi, voilà, c'est de trop. Sincèrement, c'est de trop. Après, ça aurait été mieux amené, peut-être que j'aurais changé ma vision, mais moi je trouve que c'est. Non, on a voulu nous mettre ça. Donc on s'est mis à la truelle en mode non, mais vous allez bouffer, voilà, encore un bon. On a signé pourtant et vous allez le faire, ok? Donc voilà. Donc sincèrement, voilà. C'est un petit manqué, surtout que c'est une équipe, elle est super. C'est une Dream Team, quoi, quasiment. Donc il y avait des choses à faire, mais trop de. Oh, ça a rabâché beaucoup trop de trucs. Donc voilà, c'est la fin en fait de cette épopée cosmique. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à tout relire, bien sûr. Bon, il y en a certains que ça reste toujours dans mon esprit, ils n'ont pas bougé. Annihilator, du coup, il a même baissé, hein, parce que moi, à l'époque, voilà, j'avais un très très bon souvenir, mais j'ai dû le surcoter de mon côté, mais où est-ce que c'était voilà ma relecture voilà, je ne sais pas, mais voilà. Donc en gros, est-ce que je fais un top de cette épopée? Pff, sincèrement, le top va être très classique. Hein. On va rester sur du Annihilation dans le top 3, c'est facilement. Ah, je mettrai Annihilation Conquest avant parce que c'est comme Annihilation mais en blockbuster quoi. Donc je mettrai les deux Annihilation en premier, en deux et en 1 et 2, War of King en 3 et les Gardiens de la Galaxie juste après avec Thanos Imperative. Pour moi, ceux qui sont un peu à part. Ceux que j'ai pas trop accroché, on s'en va le plus vite comme ça, c'est vraiment Annihilator, puis Realm of Kings. Voilà, c'est ceux que j'ai moins accroché. Donc voilà. Donc je sais pas si du coup je vais continuer ces grosses relectures sur des grosses sagas ou sur des gros pans en fait de comics, parce que ça m'a pris sur. Une sortie par semaine, ça m'a pris quasiment 3 mois. Ça prend énormément de. Ça m'a pris énormément de temps entre guillemets. Mais voilà, j'avais envie de le faire parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, vu que c'est un peu avec ce gros passage cosmique que j'ai commencé, on va dire. Que j'ai commencé les events, les gros events en comics. Donc j'avais envie de le faire. Puis j'avais envie de le relire. Donc je voulais partager cette relecture. Avec vous, avec les gens à qui ça intéresse, j'espère que ça a intéressé du monde. Voilà, au moins, voilà, moi, comme je me dis à moi, oui, comme je me dis à moi, ça se dit ou pas. si j'ai pu au moins intéresser une seule personne, au moins à Annihilation Conquest, au moins à cela, je suis content. Voilà, je suis content. Vraiment, vous montrer tout cosmique. Hein, de Marvel de ces débuts 2000, hein, début de ouais, 2000-2010, juste avant tous les films, puis après tout a changé, hein, sincèrement, moi je l'ai vu parce que je lisais assez régulièrement du cosmique chez Marvel, tout a changé en fait. Hein. Voilà, tout est un peu plus propre, on va dire. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, je verrai si je continue. De faire des affiches comics sur des longs runs comme ça. Et on se dit à la prochaine, bien sûr, pour un prochain avis comics. Et merci à tous. Salut!